Coucou la famille, j'espère que vous allez super bien, car moi je vais très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouveau thème pour vous. Quel est le plus long mot français? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Allons prendre les différents avis et retrouvons-nous juste derrière. Alors, pour vous, quel est le plus long mot français? Pour moi, le plus long mot français, c'est anticonstitutionnellement. Vous dites? Anticonstitutionnellement. Ah. Selon vous, quel est le plus long mot français? Ah, c'est très simple. Anticonstitutionnellement. Vous dites? Anticonstitutionnellement. Alors pour vous, quel est le plus long mot français? Anticonstitutionnel. Vous dites? Anticonstitutionnel. Pour vous, quel est le plus long mot français? Le plus long mot français. Pour vous, quel est le plus long mot français? Anticonstitutionnellement. Vous dites? Anticonstitutionnellement. Donc, pour vous, quel est le plus long mot français? Moi, je ne connais pas. Vous essayez? Non, je ne connais pas. Je ne suis pas sûr. Pour vous, quel est le plus long mot français? Oui, le plus long mot français, je pense, anticonstitutionnellement. Vous dites? Anticonstitutionnellement. Alors pour vous, quel est le plus long mot français? Et je propose Madagascar. Mais j'essaie, mais parce que comme je suis au boulot là maintenant, vous m'avez pris à chaud. Et si vraiment vous m'avez trouvé que bon, peut-être j'étais assis et bien et reposant, vraiment, je vais vous donner ce mot. Parce qu'il y en a, ils sont beaucoup. Mais donc pour le moment, vous calez? Oui, pour le moment, je cale sur Madagascar. Vous, quel est le plus long mot français? Non, si c'est le français, je ne connais pas. Tiens, arrête. C'était vraiment du fun, vraiment du fun. Alors, le plus long mot français depuis 2017 est intergouvernementalisation. Donc, nous espérons que vous avez tous aimé la vidéo, que vous avez liké, laissez-nous votre commentaire et suivez-nous sur la page Facebook MyFrica TV.